Attention, la vidéo que vous allez voir est hardcore. Mais qu'est-ce que tu racontes? Oh, ce pauvre jeune homme vit dans un garage. Il n'arrive pas à percer dans le monde de l'art. Son histoire étant très triste, nous allons dessiner un homme. Ah oui? Avec la coupe de cheveux, un peu à la mode, rasé sur les côtés et long sur le dessus. Putain, j'ai fait un dessin de ouf là! Regardez comme c'est bien fait, c'est incroyable, les larmes coulent sur son visage. Ne me fais pas rire, va d'abord apprendre sur un tricycle. Il est là, c'est un tableau très fort en émotion, on va l'appeler Sadness. Pourquoi Sadness? Parce que les Français, préférant tous les noms en pas français, auront plus tendance à l'acheter. Oh, je vais écrire un article sensationnel. Ce que j'en pense. Que la baguette, le pain français bien chaud qui sort du four va nous sauver. On va l'appeler Bread, parce que si on l'appelait pain, ça ferait zéro vente. Non, tu crois, franchement? Je vais dessiner quelque chose qui résume parfaitement l'émotion de notre personnage à ce moment précis. Voilà, un bon Vogel sur mon tableau. Eh hey, mec, bordel, respire. T'as rendez-vous chez le gynéco ou quoi? Qu'ils aiment tout ce qui est abstrait. Oh, bien au contraire. D'où lui vient cette énergie? On dirait que ses pouvoirs se sont multipliés. Pas faux. Voilà, ça, vous voyez en ce tableau, l'énergie transmise, l'énergie de plusieurs bombes nucléaires qui sont retransmises à l'écrit. Ce gros trait qui passe devant l'œuvre abstraite, elle cachée derrière. Ça me semble logique. Plus faire une barbe. Voilà. Ou alors ça, en vrai, ça peut être un visage de quelqu'un, et c'est là qu'est la subtilité, à l'envers. Voilà, regardez. J'ai pas compris. Ça qui est intéressant avec ce tableau, c'est qu'au premier abord, on croirait une barbe, et puis quand on tourne la tête, on s'aperçoit que finalement, c'est une tête à l'envers. Bien sûr, c'est excellent. C'est énorme. Effectivement, sur ce point, il n'a pas tout à fait tort. Shocking and shocking. I freaking love it. Oh! Maggie a aimé l'art abstrait, l'énergie des bombes nucléaires. Ce plat chez le frère a été vendu pour 10 euros. Alors là, je ne peux qu'applaudir. Voilà. Hop, on a fait une miniature de Mixam, mais bon. Eh ben tant mieux. Oh, l'UFO il l'achète à 113 $. Mon dieu. Mais merci les aliens d'être passés sur Terre. Putain, on m'a mis tellement bien. Je vais pouvoir acheter du vin de 10 ans d'âge. C'est de mieux en mieux. J'ai une idée un peu sobre, un concept sobre mais efficace, c'est de dessiner des fruits de la manière la plus sobre possible. Voilà, là on est bien. Non, c'est pas toi quand t'avais de l'acné à 12 ans, c'est juste une fraise. Voilà une hypothèse qui manque pas de piquant. Et je propose tout simplement, attention, grosse œuvre. Voilà, c'est abstrait, chacun l'interprète comme il le veut. Certains y verront un pissenlit, d'autres y verront un arc-en-ciel, on ne sait pas. Bien, c'était très drôle. Si on allait manger chinois.